Non, on peut manger tout à fond. Ouais, c'est à de manger. Tout à fond, et ça vous mange, je vous le jure. Il est fini, hein. Soit j'ai le même petit enfant. Non, mais non, Alors non, mais pas sérieux. Non, mais on dirait pas qu'on mange des verres, c'est vrai. Il y a même des pâtes. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. Ça, je sais pas. Ça vous rappelle quelque chose que vous connaissez? Salve des pipas. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est pas mauvais, c'est plutôt bon. Ça avait quel goût? C'est des chips en vrai. Dégustation. Pour un petit apéro, ouais, sympa. Ça peut être sympa. Ouais. Ouais. En termes de dégustation, vous avez trouvé ça comment? Non, on dirait des. Il y a un goût. Je sais pas comment, un goût que je connais. Bon, croustillant, noisette, ouais, cacahuète peut-être. Ouais, c'est ça, cacahuète. Ouais. Exactement. C'est léger. Ouais. 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 C'est léger. Eh bien, merci. C'est sûr, intéressant aussi. Ouais, c'est. Ouais. Sur... Oui, c'est bon, mais il y a quoi dedans? Noisette, amande, chocolat au lait, Tenebrio Molitor, c'est le verre de farine que vous avez goûté juste avant. On le sent pas, enfin, on le sent croustillé quoi. Exactement, c'est ce qui amène bon. Le côté croustillant à la pâte à tartiner. C'est fou, ouais. Bah, ils sont. Tu les manges à part? Oui, c'est vraiment bon, ça là. Croquant. On y va! La texture, franchement, j'avais peur de la texture et avec la texture, il n'y a pas de problème en fait. Ça fait un peu comme des cacahuètes bien grillées. Et le goût, ben, je sais pas trop. Goût, peut-être un peu cacahuète aussi d'ailleurs. Moi, je trouve qu'il y a un goût de noisette à chaque fois.